Hey yo les gars, c'est Icar et aujourd'hui on est là pour vous offrir gratuitement le nouveau pack Ferrari. Donc vous avez pu voir, on a une boutique entièrement faite donc de Ferrari et on a aussi obtenu des nouvelles quêtes, des nouveaux défis liés du coup à ceci, à la nouvelle voiture qui est implantée en jeu. Si vous voulez plus d'informations sur les défis, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube du coup qui est Icar et beaucoup dit, qui est juste en dessous les gars. Vous pouvez vous abonner et du coup regarder et liker cette vidéo également. Alors, les gars, comment on va faire pour obtenir gratuitement le petit pack Ferrari? Tout simplement, je vais l'acheter et je vais vous faire un gameplay pour vous le présenter. Mais également, vous pouvez obtenir le pack gratuitement sur mon Discord. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, donc sur le lien Discord. Vous allez sur cadeau giveaway et vous allez cliquer sur giveaway 4, ok? Giveaway 4, là pour le moment, j'ai mis arrive bientôt. Donc, pack Ferrari, c'est parce que j'ai besoin de mettre la vidéo dans le salon giveaway pour pouvoir tout simplement vous présenter le pack. Mais les gars, n'oubliez pas également qu'on a plusieurs cadeaux également. On a aussi du coup giveaway 3, on a Furonix donc pour s'abonner à sa chaîne, mais on a du coup le pack Buga à vous faire gagner. On a du coup 800 V-Bucks sur le giveaway 2 et on avait le pack LeBron James du coup dans le pack numéro 1. Donc voilà, beaucoup de packs à vous faire gagner, énormément de choses, énormément de cadeaux, énormément de générosité. Et ça a un prix les gars. Je vais vous faire gagner du coup le pack Ferrari qui est de hauteur à 1400 V-Bucks. Donc on peut voir là le pack, il est Stylax. D'ailleurs n'oubliez pas le code créateur Bokuni dans la boutique pour nous soutenir, B-O-K-U-N-I. Et les potes du coup, je vais vous offrir ce pack uniquement s'il y a 300 likes sur la vidéo. Donc il sera déjà disponible, vous pouvez déjà le gagner sur le Discord. Mais du coup le salon giveaway s'enclenchera quand il y aura 300 likes sur cette vidéo. Donc likez et abonnez-vous les gars, c'est très important. Et sur ce, on achète le pack direct. N'oubliez pas encore une fois le petit code créateur pour nous soutenir, Bokuni, B-O-K-U-N-I. Et sur ce, let's go, je vais acheter le pack directement. Et voilà du coup les gars, j'ai acheté le pack. Donc bref aperçu, on a le pilote de Maranello les gars. Donc voilà, petit aperçu sur le côté. Hop. Donc là franchement Stylax. On a aussi son sac à dos du coup directement, le Turbo Ferrari. Donc on peut voir avec le beau logo au milieu du sac, c'est franchement Stylax. Et on a aussi du coup la version féminine, donc icône de Modena. Donc on dirait Moderna, ça m'a fait penser à ça directement, je suis désolé. Et on a du coup la petite logo Ferrari. Donc on peut voir en plus avec le t-shirt, on voit le F, on voit le E et on voit le R derrière, le fer, ça fait faire Harry, je sais pas où est Harry, mais en tout cas, voilà Ferrari. Mais c'est Stylax, on va s'équiper ça, on va regarder directement comment ça rend en jeu. Et voilà les gars, du coup, on est directement en jeu avec le skin féminin. Alors, on va voir un petit peu comment que ça rend. Moi, j'ai vu un petit peu dans le lobby. Et moi, il y a un défaut qui me saute aux yeux directement. Je sais pas vous, si vous l'avez remarqué, si ça vous gêne ou pas. Mais les cheveux, on dirait tellement, avec le sac à dos en tout cas, je pense que sans sac à dos ça irait mieux, mais avec le sac à dos en fait on dirait que les cheveux sont figés, on dirait c'est du caoutchouc qui est complètement compact au sac à dos, qui ne bouge absolument pas, voire on dirait même c'est le sac qui fait jaillir les cheveux et non l'inverse. C'est très bizarre, j'ai un non-feeling avec les cheveux en tout cas, je sais absolument pas ce que c'est. En tout cas les potes, très bizarre, mais ce skin ressemble énormément aussi à la coupe de cheveux de Furonix, donc une youtubeuse que je connais bien parce que c'est ma copine. Donc c'est très perturbant, surtout en plus si les cheveux sont pas bien, c'est d'autant plus bizarre. Donc voilà, on va essayer de viser un petit peu, ok. Non en vrai, je sais pas vous, mais je vais enlever déjà ma tête. Mais je sais pas vous, mais quand on vise, pour moi c'est pas du tout naturel. Généralement j'aime absolument tous les packs que font Fortnite. Mais là je trouve qu'ils ont raté quelque chose hein, en tout cas avec ce skin. Je sais pas vous, j'ai une impression qui peut-être n'est qu'une impression justement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de raté un peu sur la texture en tout cas, sur la texture même du skin. Après je sais pas, c'est peut-être moi, mais regardez voilà, quand on vise, là on est en cercle nuit, en plus on peut voir un petit peu.
Voilà, dites-moi ce que vous aimez bien. Si vous aimez bien le skin, notez-le sur 10 dans les commentaires. J'aimerais bien voir un petit peu comment vous le notez et si vous l'appréciez. Ça se trouve, il n'y a que moi qui trouve qu'il a des défauts, hein, le skin. Ça se trouve, vous adorez et c'est tout à votre honneur. Hein. Donc voilà. En tout cas, on est bon. Je vais essayer de danser aussi pour voir. Ok. On va essayer de voir. Là, la danse, déjà, ça me choque un peu moins les cheveux. Ok, même la danse, en vrai, quand elle se retourne, ça passe. En vrai, c'est assez fluide. Non, je trouve que ça passe, en vrai. Ok, ça passe. On va essayer d'edit. Alors, pareil, hein, je suis pas pro-edit, mais voilà. Ok. Non, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Moi, comme je vous ai dit, le seul défaut que j'ai pour moi sur ce skin, c'est vraiment la texture, en fait. C'est vraiment la texture des cheveux qui me paraissent un peu bizarre. Mais c'est peut-être moi, my bad, dites-moi dans les coms. On va passer au skin du coup masculin. D'ailleurs, si Furonix, tu passes par ici, dédicace à toi, parce que tu sais très bien que du coup le pack c'est Ferrari. Mais toi, tu es censé être une Maserati. Et oui, donc pour ceux qui ont la dédicace et qui ont la référence surtout sur Discord, elle s'appelle My Name is Maserati, parce que c'est en référence au film avec Denver et Tokyo, donc avec Casa de Papel. Donc tout simplement, voilà, moi je suis Denver, elle est Tokyo et je suis pilote de Maserati. Voilà, tout simplement, ceux qui ont la référence comprendront directement à quoi je fais allusion. Allez, sur ce, du coup, on va directement pack homme. Et voilà, du coup, le pack version masculin. Et on est du coup largement mieux, je trouve, en tout cas en termes de beauté graphique. Je trouve qu'il est largement mieux réalisé. Après, c'est peut-être parce que il est un peu plus carré, les cheveux sont courts, du coup il n'y a pas forcément besoin de pixeliser à mort ou de modéliser en tout cas une texture 3D sur des cheveux. Je pense qu'à mon avis c'est déjà largement mieux. On va essayer de prendre la tyrolienne pour voir un petit peu comment que ça se fait. Voilà, honnêtement ça va, hein. Honnêtement c'est stylé là pour le moment. Ok. Hop là. Hop là. En tout cas, en visant, ça passe, en tout cas, pour le moment. Je vais essayer de vous montrer encore une fois en me décalant sur le côté. Tac. Donc là, quand on vise. Comme ça. Voilà. Je vous montre debout aussi. Voilà. Hop là. En tout cas, non, il est stylé comme pack. Il est largement mieux réalisé que la version féminine, je trouve. Après, je sais pas du tout si vous êtes d'accord avec moi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre du coup votre note, mais pour le skin masculin, histoire de voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous trouvez mieux ou non. Alors, on va essayer de tenter une petite danse. On va voir un petit peu comment il réagit aussi. Je mets la même danse, comme ça, il fait un tour en 360 degrés sur lui-même. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, j'avais pas remarqué, mais on a le même t-shirt Ferrari. Donc là, c'est stylé. En vrai, ils sont pas mal. Moi, je trouve le skin bien mieux fait qu'en tout cas. Hein. En tout cas, avec la meuf, quoi, tout simplement. Hein. Je sais pas vous, mais je trouve ça largement mieux. On va essayer de piocher aussi. Je l'ai pas fait avec le skin féminin. Mais voilà, quand on pioche, tout simplement. Alors du coup on va essayer de construire pour voir comment que ça rend les gars. Donc on va voir un petit peu. Hop là. Alors encore une fois, hein, je suis pas pro edit ni rien. J'essaie juste de faire comme je peux, hein. Pouf, ok. Je suis tellement nul. Le mec qui est avec moi là, je sais absolument pas c'est qui, mais il a dû rigoler en me voyant faire ça. Alors hop là. J'essaye de faire des 360 degrés, mais j'y arrive vraiment pas, les gars. Je suis vraiment désolé. Je suis une honte, à mon avis, pour ceux qui regardent et qui build de ouf. Mais on va essayer de juste edit, là, pour voir, ok? Ok. En vrai, quand il edit, ça passe. Quand il edit, ça passe, hein. Donc voilà, en tout cas les gars, encore une fois, si vous voulez gagner du coup le skin et le pack entier, suffit juste d'aller dans le Discord qui est dans la description. Et sur ce, c'était Ekar, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout. Et n'oubliez pas les gars, objectif 300 likes.